è una commedia, a differenza del buffo passato, del Rossini, del Cimarosa, di tutta questa tradizione, diciamo, che veniva dall'opera napoletana. Qui abbiamo veramente una commedia. D'abord parce que c'est de la comédie, c'est de la grande comédie, c'est vraiment quelque chose de très drôle et finalement d'assez émouvant et touchant et burlesque. La musique et le théâtre, toutes les notes de musique font sens par rapport à la situation. Sia un personaggio che vuole appropriarsi di qualcosa che non è suo, vuole avere qualcosa che ormai non è più della sua età, nel suo modo di essere. Don Pasquale c'est un peu le vieillard de la comédie italienne, le vieillard de la commedia dell'arte. Ça se passe au XXe siècle parce que effectivement l'hommage ou le clin d'œil au cinéma italien. Don Pasquale, ça pourrait être comme un sketch du film qui s'appelle Les Monstres ou Les Nouveaux Monstres de Dino Rizzi, parce que c'est une farce, mais c'est une farce extrêmement cruelle, méchante et pathétique. Vuole riappropriarsi della giovinezza di una ragazza. E questa è una cosa che non è proprio bellissima. Que ça soit le rôle de Don Pasquale ou notamment le rôle de Norina, ce sont des personnages qui sont des figures de théâtre, presque avant d'être des chanteurs. Même si ce qu'ils ont à chanter, notamment Norina, est extrêmement difficile et virtuose. All'arrivo di Norina, quando Norina diventa la sposa, si cambia. Tutto quello che era giù diventa su. Una specie di descrizione del sogno che diventa un incubo. Prima era un sogno bello, di desiderio, e poi diventa aiuto. C'est très ramassé et c'est très énergique aussi, et très tonique et drôle. Tu capisci?